aujourd'hui, le risque orageux se situe sur un large quart sud-est. Et la journée commencera du côté de Saint-Étienne avec une cellule déjà bien active et stationnaire. Les impacts de foudre sortent en ce qu'on appelle en air sec. Ils sont donc largement visibles et on peut ainsi profiter pleinement du spectacle. Observation des radars météo, je constate que plusieurs petites cellules sont en train de germer dans la vallée du Rhône, en Nord-Vallée du Rhône, sud de Vienne précisément. Et du coup, je viens appeler Jérémy qui est dans le coin et effectivement il me confirme que la situation peut être assez active niveau orage. En bordure du Rhône, sur les hauteurs ardéchoises. Et déjà, de belles choses commencent à arriver, notamment une ligne qui est en train de se former sur le nord Drôme. Et on a le même type de cellule, c'est-à-dire une cellule stationnaire, comme sur Saint-Étienne, que j'avais pu chasser un petit peu avant dans la journée. On aperçoit de jolis rideaux de pluie et quelques impacts, mais pas encore capturés au niveau de l'appareil photo. Puis d'un seul coup, les orages prennent une intensité bien plus forte. Les premiers impacts en air sec commencent à tomber. Et là, le spectacle est tout simplement magique devant nos yeux. Tout va bien. Ça fait nuit. Ouais, mais laisse entre Ardèche et Nîmes. Laisse faire. Par contre, j'aimerais que ça tape. Putain, on a rien du tout. Pas d'impact, j'ai rien. Ouais, non, mais vous avez les autres. Moi j'ai que dalle depuis tout à l'heure. Moi je double, c'est violent. Ouais, mais moi j'ai rien. Je l'ai pas le double, moi. Il tape pas loin parce que quand on voit, il tombait à la ligne. On voit pas. Ouais, je tombais. Si, là on l'a vu. Non, mais le double ramis que j'ai. Je peux t'assurer que là on l'a vu. Je pense que je sais pas pourquoi je descends. C'est trop calme. C'est un petit peu beaucoup trop calme. Oh Dieu, double. Cette ligne donc quasi stationnaire va nous gratifier de nombreux impacts de foudre. Elle se décale légèrement plus au nord. Donc on décide de se replacer sur un point de vue à même pas 2 minutes. Et là, on reprofite encore une fois de la nature pendant encore une bonne demi-heure à grands coups d'impacts de foudre sur les premiers coteaux ardéchois bordant le Rhône. Sur la centrale là, d'après. Ah, c'est chouette. Là, c'est bon. Ouais. La centrale, on la voit pas quand t'as fait là. Elle est derrière le. Tiens. On notera qu'Anthony a un petit peu de rage par rapport à cet orage parce que chaque fois qu'il veut nettoyer son objectif d'une goutte d'eau ou que justement il cadre un champ de vision, l'impact tombe à côté ou tombe au même moment où il est en train de laver son objectif. Donc il a un peu de rage comparé à Jérémy et moi qui nous gavons pleinement de cette situation. Ouais, je dis à ma femme, je suis mort. Et puis il porte tous les autres documents. Ça, t'es fini. Tu prends un arbre, c'est mes fous, c'est tout.
Le spectacle est un petit peu moins honorable, même si encore pas mal de belles averses sont en train d'arroser le massif du Pilat presque. Mais on observe tout de suite ce côté ouest, deux nouvelles cellules en train de germer en Haute-Loire. Malheureusement, elles aussi elles feront du surplace sur ce département et elles sont trop loin pour qu'on puisse aller les traquer. Donc on décide de ne pas y aller, d'autant plus que la géographie du terrain fait que ça serait pratiquement peine perdue d'y aller. Le final de cette journée, ça sera que du positif. Ça sera deux cellules chassées, des rideaux de pluie bien denses, des cellules bien formées, des impacts de foot sortant en air sec. Voilà, c'est typiquement ce qu'on vient chercher quand on vient attraquer les orages. Aujourd'hui, la chasse aura commencé du côté de Monistrol-sur-Loire, où je fais la rencontre d'un autre chasseur avec qui très vite on se rend compte que le plus gros du potentiel se jouera dans la plaine du Forez entre Saint-Étienne et Balbigny. Assez vite, on ira se replacer du côté de Montrond-les-Bains pour pouvoir observer cette cellule sur Saint-Étienne. C'est une cellule qu'on appelle pluvio-orageuse. Elle produit beaucoup de pluie, quelques coups de foudre, mais voilà, les coups de foudre sont complètement noyés à l'intérieur des précipitations. Ce qui fait que, d'un point de vue foudre, on observe que peu de choses. On entend, mais on observe que peu de choses. Malgré tout, on aura eu quelques beaux clichés grâce à cette cellule et à notre replacement sur Montrond-les-Bains. On constatera assez rapidement sur les radars une nouvelle cellule naissante dans le sud de l'Auvergne. Sa trajectoire donne en ligne de mire le nord de la Loire. Du coup, ce que l'on fait, c'est qu'on va se positionner du côté de Balbigny pour pouvoir avoir un point de vue dégagé et pouvoir observer cette cellule. Finalement, cette cellule, ça sera comme sur celle de Saint-Étienne, une cellule pluvio-orageuse, beaucoup de pluie, très peu de foudre. Voilà, encore une fois, c'est un peu la déception quant à cette nouvel orage. On restera sur place jusqu'en début de soirée, milieu de soirée. Plusieurs cellules consécutives, des cellules pluvio-orageuses, donc très peu de foudre finalement. Mais malgré cela, ça reste une bonne journée. Finalement, le chasseur rencontré en Haute-Loire partira sur un autre target situé en Bourgogne où sur le radar on peut observer quelques petites cellules naissantes, quelques petits bourgeonnements.
Mais voilà, moi je préfère pas prendre de risques. On arrive maintenant à une certaine heure dans la soirée. Malgré cela, je préfère voilà, rentrer et pas prendre le risque de faire beaucoup de kilomètres pour pas grand chose. Le hasard fera qu'en rentrant, un nouvel orage viendra à éclater. Il explosera même totalement puisqu'entre sa naissance et les premiers coups de foudre, il n'y a que très peu de temps. La chance est double puisque cet orage viendra à produire de très beaux coups de foudre et surtout ils viendront à sortir en dehors des précipites qui sont finalement que très faibles. Je viendrai à suivre cet orage quasiment jusqu'à la fin. Cet orage aura éclaté sur le nord de Saint-Étienne, du côté de Vauche. Et il viendra en fait à glisser du côté de la vallée du Gier, sur Saint-Chamond précisément. De cette journée, c'est une chasse qui commencera en Haute-Loire avec la rencontre d'un autre chasseur d'orage. On viendra échanger nos stratégies du jour, nos analyses météo, nos prévisions, nos éventuels placements sur le terrain. On ira jusqu'au nord de la Loire, plusieurs cellules successives, mais voilà, pas les cellules forcément attendues. Malgré cela, on aura eu de belles photos, on aura pu prendre de belles photos. Et puis sur la fin de soirée, deux orientations diverses qui font que l'autre chasseur part du côté de la Bourgogne et moi je redescends sur Saint-Étienne avec peut-être un pari gagnant ou le hasard complet. Mais voilà, en tout cas une bonne journée et quelque chose qui j'espère se reproduira avec un peu plus de foudre bien évidemment, on est amateur de foudre, avec un peu plus de foudre pour le reste des orages annoncés.